je félicite les parents qui sont là parce que je crois qu'il faut absolument apprendre aux enfants de s'aimer, aimer leur culture, qu'ils soient enracinés pour pouvoir donner des adultes responsables, des adultes responsables qui seraient ouverts vers les autres. Et pour s'ouvrir vers les autres, il faut absolument être enraciné dans sa culture. Donc je vous félicite tous parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. L'ús del català repugna i és contrari a l'honor de la nació francesa. Amb aquestes paraules, el rei Lluís XIV va prohibir la llengua catalana amb el seu edicte de l'any 1700 al territori que va anomenar la província estrangera del Rosselló. Après 276 ans d'interdiction de l'usage de la langue, personne n'aurait cru que en 1976 on pourrait ouvrir une école catalane à Perpignan. C'est pourtant ce que fit la Brésola. Et au bout de 30 années, non seulement elle existe encore, mais l'on peut constater qu'elle correspond au désir d'une grande partie de la population de Catalogne-Nord, d'origine ou d'adoption. Les écoles catalanes, aujourd'hui au nombre de 8, ont connu une croissance de 280% en 8 ans. Això hauria de significar l'obertura de nous centres i l'escolarització de més i més nins i nines amb totes les despeses i dificultats que això representa. La manca de mitjans, però, impedeix que totes les famílies puguin tenir-hi accés. Il faut attendre 5 ans pour que l'État commence à participer au financement d'une nouvelle école. Manque de locaux pour accueillir les élèves. De nombreuses classes actuelles sont des préfabriquées. La grande majorité des communes de Catalogne-Nord ne disposent pas d'une école catalane, ce qui exclut la majorité des élèves de cet enseignement. Il manque des moyens pour ouvrir plus de collèges secondaires qui permettent la continuïté pédagogique. La llengua catalana a Catalunya Nord, malgrat els avenços d'aquests darrers anys, es troba en greu perill i caldria moltes escoles per salvar-ne realment l'ús. Per aquests motius, els sotassignants fem una crida a les institucions franceses i a les catalanes. Aux institutions françaises, à l'État pour qu'il applique de manière généreuse et efficace l'accord signé avec la Bressola en 1995 et facilite la création de nouvelles écoles catalanes dans les communes qui n'en disposent pas. Au Conseil général, pour qu'il participe au financement des collèges de Bressola, au Conseil régional pour qu'il continue d'accroître les aides à la Bressola comme il a commencé à le faire et aide à la création d'un lycée. À l'ensemble des mairies du département qui ne l'auraient pas encore fait pour qu'elles facilitent la mise à disposition de locaux et accordent la parité en ce qui concerne les écoles maternelles et primaires avec les établissements francophones. À les institucions catalanes. El govern de Catalunya perquè continua aplicant de manera generosa la resolució del Parlament de Catalunya del 21 de febrer de 2001 que insta el govern a facilitar la creació de nous centres de la Bressola. A les diputacions, consells comarcals i municipis que encara no ho hagin fet, que s'adhereixin a l'associació Amics de la Bressola. Les sous-signés sollicitent également des institutions citées un soutien actif aux initiatives culturelles catalanes du Nord en matière de creació, cançó, teatre, dansa, mitjans de comunicació, premsa, ràdio, TV. En particular, es demana que la població nord-catalana tingui accés a les televisions digitals terrestres en català. I per últim, toponímia, plena utilització dels topònims en català en tots els senyals públics. Salvem la llengua i la identitat catalana de les comarques del nord. Gràcies.